Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue pour cette conversation qui va se passer en deux lieux, ici présents, en compagnie de Timothée de Meyer et Grégoire Ossoa. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bienvenue parmi nous. Très heureux de vous retrouver. Ça va donc se passer ici et en même temps à distance en Argentine avec Leila Guerriero. Bonjour Leila. Bienvenue parmi nous. Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar acá con ustedes. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être là avec vous cet après-midi. Merci beaucoup d'être là. Je remercie d'emblée Pascal Fougère qui est à côté de moi, qui a mis ses écouteurs, son téléphone et qui va essayer dans cette position un peu acrobatique d'être la voix française de Leila pendant cette conversation. Une conversation durant laquelle on va évoquer la question du journalisme narratif. On va essayer de s'interroger avec des invités qui sont à la fois des écrivains, des journalistes, sur la façon dont ils se positionnent par rapport au réel, comment est-ce qu'ils articulent finalement une dimension d'enquête, de reportage, de recueil de témoignages, mais aussi bien sûr de documentation, avec une démarche plus littéraire, une réflexion sur le style, sur l'écriture, pourquoi pas même sur une dimension romanesque à certains égards. Avec, on va le voir, pour l'un et pour l'autre, pour les uns et pour les autres, des sujets extrêmement forts, extrêmement singuliers, qui sont à la base de l'écriture de ces livres. Je vais présenter d'abord les deux auteurs qui sont à côté de moi sur ce plateau. Timothée de Meyer, vous êtes écrivain, vous avez publié à ce jour trois romans, je crois, aux éditions Asphalte, notamment Jusqu'à la bête et Demain la brume. Et donc, vous avez travaillé sur ce livre à quatre mains ou à deux mains, je ne sais pas comment il faut le dire, en compagnie de votre complice Grégoire Ossoa, qui lui est journaliste. On reviendra bien sûr sur, je dirais, cette répartition des rôles ou cet entremêlement des rôles entre un écrivain et un journaliste pour la publication de ce livre qui s'intitule « Voyage au Liberland ». Alors il faut préciser que vous avez longtemps voyagé dans les Balkans, que vous avez notamment réalisé des documentaires autour de cette région, dont l'un qui s'intitule Vukovar, on en reparlera, vous amène d'ailleurs à découvrir cette histoire du Liberland. Je vais le dire en quelques mots, ça se passe en 2015. Un homme politique tchèque, qu'on va évoquer bien sûr largement pendant cette conversation, va s'emparer de ce qu'on appelle une terra nullius, une terre non revendiquée qui se situe sur les bords du Danube, à la frontière serbo-croate, une bande de sable sur laquelle il va créer un état de toutes pièces qui s'appelle le Liberland. Il va s'autoproclamer président de la République de cet état et donc va commencer une aventure assez folle que vous évoquez dans ce livre-là. Alors je le disais, entre journalisme et fiction, on va bien sûr rediscuter de toutes ces dimensions, une sorte d'utopie comme ça en Europe qui pose aussi des questions, on y reviendra avec vous, sur l'époque et sur cette utopie libertarienne dont la devise est « vivre et laisser vivre ». Voilà une belle devise. On reviendra bien sûr sur toutes ces questions avec vous et sur les méthodes d'écriture. Leila Guerriero, donc, qui est à distance, qui est en Argentine, qui est une grande journaliste argentine qui collabore à des journaux internationaux et à des très grands titres internationaux. Elle est dans l'actualité aujourd'hui dans l'édition française avec la traduction par Mayra Mouchnik de ce livre qui s'intitule « Les suicidés du bout du monde » publié aux éditions Rivage, qui est un livre que Leila avait fait paraître en 2005, une enquête qu'elle avait débutée au tout début du XXIe siècle, en 2001. « Les suicidés du bout du monde », ce bout du monde, c'est une ville qui s'appelle Las Heras, qui est dans la province de Santa Cruz, en Patagonie, une ville dans laquelle, à la fin du XXe, entre 97 et 99, se déroule une vague de suicides extrêmement importante. Plus de 20 personnes,
dans ce laps de temps, se suicident dans cette ville-là, et notamment beaucoup de très jeunes gens. À partir de la découverte de ce sujet, Leila Guerriero va aller à de nombreuses reprises dans cette ville et va essayer de comprendre à la fois ce qui s'est passé, de rendre compte finalement de ces vies minuscules, de ces vies brisées, de ces vies disloquées et quelque part tragiques, tout en donnant une réflexion aussi plus globale sur la manière dont ces villes, finalement, du bout du monde, en Argentine, se situent par rapport à la ville centrale et par rapport à une forme d'invisibilité, d'indifférence. Et il me semble que ce rapport à l'indifférence, à l'invisibilité, est un moteur très fort dans le travail de Leila Guerriero. Voilà pour cette introduction. Je laisse Pascal poursuivre la chose. Peut-être une petite question pour Leila, très très rapidement. Je le disais, ce livre date de 2005, il est republié en France aujourd'hui, avec une postface écrite par Leila, dans laquelle elle redonne un petit peu le contexte de cette enquête, de ce premier livre, qui est le premier écrit au long cours, et qui semble avoir été un moment très important dans son parcours, une sorte de moment charnière. Peut-être peut-elle nous dire un mot de cela, avec le recul, plus de 15 ans après, comment ce reportage et ce livre ont changé sa vie et sa carrière. Bueno, buenas tardes, es un gusto otra vez saludarlos. El trabajo que hace un libro en la vida de uno es un trabajo inesperado y muy largo. Este libro fue publicado, como decías, primero en 2005. Me costó muchísimo encontrar una editorial. En todas las editoriales me decían que no, porque el tema de los suicidios era un tema demasiado sensible y pensaban que lo iban a leer 4 personas. Voilà, bah, écoutez, vous redire à quel point je suis heureuse d'être avec vous cet après-midi. La manière dont un livre, en fait, va travailler sur vous, c'est quelque chose d'assez inattendu. C'est quelque chose aussi qui se déroule au long cours. Après avoir écrit ce livre en 2005, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à rencontrer une maison d'édition qui accepte de le publier parce qu'évidemment, un sujet comme les suicides était un sujet difficile et tous les éditeurs pensaient que le livre ne serait lu que par 3-4 personnes. En el momento en que se publicó, fue muy difícil para mí saber cuáles eran las consecuencias que iba a tener el libro en mi vida y en mi trabajo, y ahora también es difícil saber cuáles son esos cambios o qué podría haber sucedido si el libro no se publicaba. Sí creo que fue un primer libro importante para mí, no solo por ser un primer libro, sino porque me habituó a una forma de trabajar en la cual yo ya venía asentándome y que es hacer muchísimo reporteo y luego dedicarme a escribir completamente encerrada del mundo. Y podría decir que ese método, si bien yo lo había aplicado antes, se extremó con el libro. Y creo que si todo escritor tiene alguna certeza dentro de lo incierta que es la escritura, es saber que tiene un método para hacer las cosas. Así que yo diría que la consecuencia más inmediata de este libro es que aprendí con él cuál iba a ser para siempre. Ya ven qué taxativa soy, mi método de trabajo. Y por supuesto también abrió puertas a otras editoriales, me llevó a empezar a publicar en el país de España, digamos, laboralmente abrió muchísimas puertas. Me empezaron a invitar a festivales y ahora viajo más yo que mis libros. Je termine d'écrire parce que sinon j'oublie la fin.
Alors, c'est vrai que au moment où le livre a été publié, c'était difficile d'imaginer les conséquences qu'il pourrait avoir sur mon livre et sur mon travail. Et je crois qu'aujourd'hui encore, ce serait difficile d'imaginer ces conséquences si le livre n'avait pas été publié. Ce premier travail, il a été important, bien sûr, pas seulement parce que c'était le premier ou parce que c'était ma première publication. Ça a aussi été très, très important parce que c'est le moment vraiment où se sont affermis en fait s'est affermie ma technique de travail, c'est-à-dire faire beaucoup de reportages, d'enquêtes, et puis ensuite m'enfermer, me couper du monde et écrire. Alors c'est vrai que cette technique, si je l'avais employée auparavant pour écrire, elle a été avec ce premier livre poussée à son extrême, et c'est vraiment la chose que le livre m'a donnée, ça a été la certitude d'une méthode, parce que je crois que c'est à peu près la seule chose dont un écrivain peut être sûr. Donc la conséquence, ça a vraiment été ça, la conséquence très importante, cet affermissement d'une technique qui vraiment, après avoir écrit le livre, était devenue une certitude. Et ensuite, évidemment, bien sûr, ce livre m'a ouvert énormément de portes professionnelles. Ça m'a permis de publier aussi dans des journaux étrangers, notamment comme El País, le quotidien espagnol. Ça m'a aussi permis d'être invitée dans différents festivals, et aujourd'hui je dirais que je voyage davantage que mes livres. Alors on va revenir bien sûr à la technique et à l'écriture. Encore une petite chose sur la manière aussi dont on s'empare d'un sujet, puisque vous évoquez dans cette postface, Leïla, que vous découvrez un article de l'UNICEF qui rend compte de cette vague de suicides. Et vous avez tout de suite la volonté de partir sur le lieu, à Las Heras, même si les conditions, le contexte est très difficile à ce moment-là en Argentine. Et vous dites que finalement, c'est pour deux raisons que ce sujet vous accroche. À la fois, bien sûr, le côté tragique, mystérieux de cette vague de suicides, et en même temps, le fait que ça se passe précisément dans cette ville-là, à Las Heras, on pourrait dire au bout du monde. Ce sont ces deux dimensions qui vous font penser qu'il y a là un sujet, je dirais, à double dimension, ou en tout cas qui a deux grands intérêts pour vous en tant que journaliste et écrivaine. Sí, fueron el suicidio es un tema que a mí me ha interesado siempre. Siento que es un tema pavorosamente misterioso. Y además lo que pasaba en Las Heras, en el momento en el que yo fui, era algo que resumía muy bien la eterna crisis en la que vive la Argentina desde hace muchísimos, muchísimos años. Allí había enorme cantidad de desempleo debido a la privatización de la mayor empresa petrolera que había sido estatal. Había un tejido social completamente roto, había una absoluta falta de porvenir para la gente más joven, y también ese pequeño pueblo funcionaba como una suerte de Aleph borgiano de todas estas desgracias y también de lo que sucede en la Argentina, que es que todas las historias parecen suceder en la capital, en Buenos Aires. En Buenos Aires vivimos de espaldas al interior. Yo soy una persona nacida en el interior de la Argentina y contar historias del interior me parece no solo relevante, sino necesario. Entonces fueron muchas las cosas que me llevaron a ese pueblo. Sentí que los suicidios eran el síntoma de algo que estaba muy mal en el país desde hacía muchísimos años. Y por eso empecé a viajar y por eso también
creo que evité todo el tiempo, en el momento del reporteo y en el momento de la escritura, el morbo y hacer foco solamente en los suicidios. Yo quería entender a los suicidios como el síntoma, el fusible débil que salta, que estalla en una situación completamente volátil. Las Heras es una especie de metáfora argentina en pequeño. Oui, alors c'est vrai que le sujet du suicide m'a toujours intéressée, hein, parce que c'est un sujet très mystérieux. Mais à mon avis, ce qui se passait ou ce qui s'était passé à Las Heras au moment où je m'y suis rendue, c'était un résumé parfait de la crise argentine qui durait déjà depuis un bon moment, qui était composée de beaucoup de chômage. Et là, Las Heras, c'était un lieu qui réunissait tout ça. Hein. Beaucoup de chômage, la privatisation de la plus grosse compagnie pétrolière, hein, évidemment un tissu social complètement effiloché, une absence complète d'avenir pour les jeunes, hein, et il me semblait que là on avait quelque chose en fait, hein, qui participait de Borges, cette espèce de précipité de malheur. Et il faut savoir aussi que la Las Heras présentait une caractéristique qui rendait le lieu encore plus intéressant, c'est-à-dire que il semblerait qu'en Argentine toutes les histoires se déroulent à Buenos Aires, hein, et que à Buenos Aires, nous vivons effectivement en tournant le dos à ce qu'est l'intérieur du pays. Je suis moi-même née dans ces terres intérieures du pays et il me paraissait donc très opportun et très nécessaire en fait, hein, de raconter ce qui se passait dans cet endroit, la Las Heras, qui symbolisait parfaitement ces bourgades de l'intérieur et où effectivement ces suicides étaient un symptôme d'une crise qui durait depuis bien longtemps. Donc ce que j'ai évité en fait, hein, lorsque je suis allée là-bas, c'était de me poser un peu en surplomb. J'ai écouté, j'ai essayé de me rapprocher le plus possible des gens. J'ai essayé de les écouter pour arriver à comprendre comment, d'une certaine manière, ces suicides étaient un espèce d'aboutissement de cette crise profonde, quelque chose qui tout d'un coup explosait. Comment la situation de Las Heras était d'une certaine manière la parfaite métaphore en taille réduite de ce qui se passait en Argentine. On va revenir sur ce positionnement et sur le choix notamment du jeu et du positionnement de l'auteur elle-même, mais je vais me tourner vers vous, messieurs, peut-être pour une question un peu comparable sur la manière dont ce sujet du Liberland arrive à vous. Je le disais, après un certain nombre de pages, hein, dans le livre, vous évoquez effectivement le moment où vous êtes en train de travailler sur ce documentaire qui s'intitule Vukovar, avec notamment cette histoire de l'école maternelle, hein, et de justement cette confrontation aussi entre Serbes et Croates, ce rapport encore une fois aussi au nationalisme que vous avez beaucoup travaillé. Et c'est à ce moment-là que vous entendez parler du Liberland. Peut-être nous dire un mot de cela. On n'a presque pas envie de vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que ça vous a paru un bon sujet, tant ce sujet est incroyable. C'est presque un hasard ou une chance d'avoir ce sujet-là qui vous tombe dessus, peut-être avec vous pour commencer, Timothée. Oui, tout à fait. Et puis bonsoir tout le monde et merci pour l'invitation. Donc en effet, on était à Vukovar avec Grégoire et on travaillait tous les deux sur un film documentaire sur la ville de Vukovar, 25 ans après la fin de la guerre, une ville qui était toujours vraiment marquée par des divisions très fortes entre Serbes et Croates, et notamment au sein de la jeunesse, qui était une division qui n'était pas physique, mais qui se retrouvait à travers la ville. Un tel boulanger allait vendre un pain, était associé comme un boulanger serbe, tel autre était boulanger croate, pareil pour les cafés. Tout était profondément divisé dans la ville. C'était un sujet assez triste et assez dur sur une jeunesse de la ville qui vivait toujours traumatisée par un conflit qu'elle n'avait elle-même pas connu. Et c'est donc un soir avec des personnages qu'on avait du film,
qu'on a entendu parler de cette histoire de Liberland. Ils nous ont dit, écoutez, ça vous changera un petit peu de vos recherches, allez voir ce qui se passe. Et en effet, on a commencé à se renseigner et il se trouvait que la semaine où on y était, allait avoir lieu le premier anniversaire du Liberland. Et donc, on a pris contact avec le président, Vít Jedlička, un président tchèque du Liberland, qui au départ n'a pas répondu à nos demandes. Donc, on a un petit peu forcé la main en prétendant qu'on était des journalistes assez connus de France Télévisions, ce qui lui a tout de suite donné une réponse de sa part. Et on s'est rendu donc sur place. On a eu rendez-vous avec lui le lendemain pour le rencontrer. Et donc, au départ, bien sûr, il y avait quelque chose d'assez cocasse. On trouvait ça assez drôle, cette histoire de Liberland, mais peut-être pas suffisamment profond pour en faire un livre ou un film. Et c'est en creusant un petit peu plus, en se disant, mais qui sont ces gens-là? Qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer que quelque chose d'assez cocasse de la sorte, qu'un homme comme ça décide du jour au lendemain de créer un pays dans un des derniers, dans une des dernières interstices comme ça, qui subsiste entre des pays, et qu'il va recevoir un engouement absolument sans pareil, des centaines de milliers de personnes qui vont le contacter, qui vont demander à être citoyens. Qu'est-ce que ça dit de notre époque? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en creusant tout ça, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un mouvement de fond, les libertariens, et pas que, puisqu'ils ont une résonance dans d'autres cercles que ça, et qui en effet nous semblait assez contemporain, et disait beaucoup de choses de notre époque. Peut-être préciser cette dimension libertarienne, c'est-à-dire que l'objectif de Vít est de créer un État sans État, ou en tout cas sans État fort, sans une intervention de l'État. Être libertarien, c'est avant tout cette dimension-là, inscrire dans un pays un fonctionnement de citoyen hors la prédominance de l'État. Peut-être, Grégoire, si vous voulez... Oui, c'est tout à fait ça. En fait, tout à l'heure, tu as notamment évoqué le slogan du Liberland, qui est donc vivre et laisser vivre. Et donc ça, c'est un slogan typiquement libertarien. Et voilà, donc ce qui caractérise le libertarianisme, c'est la défense de la propriété privée, la propriété donc de son corps et de ses biens. Et uniquement ça, et il n'y a pas de projet collectif au-delà de celui-là. Et donc ce que veut faire Vít Jedlička au Liberland, c'est implanter ce projet-là, qui est donc une forme d'État sans État. Un État qui est basé sur la propriété privée, alors même que ça se situe sur un endroit qui est précisément un endroit non revendiqué. C'est-à-dire qu'il y a aussi là une forme de paradoxe. Ce qui est intéressant, c'est que vous racontez dans le livre que finalement, ça arrive par une fiche Wikipédia, la prise de conscience, de connaissance de ce personnage-là, peut-être vous pouvez en dire un mot, aussi de globalement de ces terres non revendiquées qui existent encore sur la surface du globe. Oui, alors, sur les terres non revendiquées, donc on appelle juridiquement les terra nullius, c'est un vieux terme diplomatique qui existe depuis quasiment le Moyen-Âge, qui a servi à plusieurs États d'aller coloniser des territoires supposés vierges. Ça, c'est très discutable de savoir si un territoire est véritablement vierge, mais aux yeux de ces États qui se servaient de cette notion de terra nullius, ça a permis justement de mettre dans la loi ce qui était vierge ou pas. Et aujourd'hui, il reste évidemment, vous en doutez, très peu de territoires de ce type-là. Il se trouve que Gornja Siga, donc qui est cette poche de territoire où Vít Jedlička tente de créer le Liberland, en est une, parce que elle n'est ni revendiquée par la Croatie ni par la Serbie. Pour la faire très brève, ça avantage les deux pays de ne pas revendiquer ce territoire-là, parce que ça leur permet d'en revendiquer plus. Ce sera un peu peut-être compliqué d'entrer dans les détails, mais globalement, c'est ça. Et donc, ces territoires sont répertoriés, en effet, sur Internet et donc sur Wikipédia, entre autres. Et c'est comme ça que Vít Jedlička a eu vent de ce territoire. Et il a été le premier à véritablement mettre en place, enfin, à penser qu'il y avait une aubaine et donc à s'implanter là-bas.
Un mot sur la méthode, peut-être, Timothée. Vous étiez en train de tourner un documentaire. Vous avez fait le choix d'un reportage au long cours, d'un livre écrit entre un journaliste et un écrivain. Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à aller vers cette forme-là, vers ce format de l'écriture, et comment est-ce que vous avez articulé finalement ces deux natures de votre travail à l'un et à l'autre? Bah oui, c'est vrai que c'était un pari osé de partir sur quelque chose comme ça, sur le Liberland, sachant qu'au départ, on n'avait aucune idée de la pérennité du projet, de savoir si ça allait durer ou non. L'équilibre qu'on a permis de trouver entre Grégoire et moi, c'est qu'il y a en effet, à la fois dans cette écriture de non-fiction, une écriture journalistique qui est complétée aussi avec une écriture un petit peu plus littéraire. Et donc finalement, on arrivait à trouver un équilibre assez intéressant entre nos deux pratiques. Ce qui était aussi intéressant avec l'écriture de ce livre, à la différence du livre de Leïla, où elle est profondément immergée au sein dans la ville de... C'est quoi Las Heras, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de moments où finalement le Liberland devenant au fil du temps un pays mobile, puisque Witte Jedlička, le président, n'arrive jamais à s'implanter sur place. Donc à un moment, le Liberland, il va le prendre avec lui et le porter à travers le monde, c'est-à-dire que ça va devenir son projet. Et donc le Liberland devient un projet en mouvement que nous, on ne pouvait pas suivre en permanence. Donc on s'est retrouvé finalement beaucoup à suivre le projet, à la fois par notre présence lorsqu'on arrivait à lui mettre le grappin dessus, mais surtout sinon par les réseaux sociaux, par Internet ou à travers en rencontrant des gens qui nous racontaient des épisodes. Et donc ça laissait aussi une place non pas à la fiction, mais à un petit peu d'imagination. Quand on rencontrait une scène d'un dîner dans un restaurant à laquelle on n'assistait pas, on avait toujours la possibilité de parler un petit peu de l'atmosphère saturée de fumée de cigarettes sans y avoir été, par exemple. Donc ça laissait quand même une certaine petite fenêtre de liberté qui pouvait en tous les cas moi plaire à moi qui était plus romancier, on va dire, dans l'histoire. Donc voilà. Peut-être rebondir tout de suite avec Leïla sur cette question justement de la présence de la journaliste et de la narratrice dans votre livre, chère Leïla. Le regard du journaliste est présent. Peut-être pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi cela. Être journaliste, c'est avant tout avoir un regard, avoir une subjectivité pour vous. Sí, yo dudé mucho en escribir este libro en primera persona. Mi escuela periodística es una escuela más tradicional, me eduqué en redacciones, educada por editores muy buenos, bajo la idea de que para escribir en primera persona había que, de alguna forma, aparecer para decir, para transmitir una experiencia intransferible. Entonces, cuando escribí el libro, dudé mucho, me daba muchísimo pudor aparecer con un yo tan claro, tan explícito. Pero, de alguna manera, todo el horror que se vivía en la sociedad de Las Heras, en la cual había habido 12 suicidios en un año y medio, había desabastecimiento porque los trabajadores cortaban la ruta en protestas y huelgas, y entonces los camiones con alimentos no podían pasar, no había internet, a veces no había luz. Toda esta situación para los habitantes del pueblo era sumamente normal. Y yo estaba allí en un estado de desesperación permanente, casi infantil, diría, muy vergonzosamente, a punto de gritar mamá, mamá en cada esquina, porque sí, me pasaba a mí también, no había luz, no había agua, no había teléfono, no había internet. Entonces entré en el libro para que ese personaje extranjero, que era yo, diera cuenta de que todo esto era completamente incómodo, aterrador, hostil para una persona que no era de Las Heras, que venía de afuera de Las Heras.
Oui, j'ai beaucoup douté d'écrire, au moment d'écrire ce livre à la première personne, puisque ma formation de journaliste, elle s'est faite dans des rédactions, elle s'est faite avec de grands rédacteurs en chef, hein, où effectivement, l'écriture ou le récit à la première personne n'était quelque chose d'accepté que si l'expérience en fait du journaliste était quelque chose qui n'était absolument pas transférable. J'avais vraiment beaucoup de pudeur hein, au moment de faire ce choix-là, mais c'est vrai que la situation affreuse qui était celle de la CRH, où il y avait eu 12 suicides en un an et demi, hein, où il y avait des grèves, où il y avait des piquets de grève qui coupaient les routes, qui faisaient que les camions qui approvisionnaient en nourriture ne pouvaient pas passer. On était dans un endroit où il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de lumière, pas tout le temps, hein, mais quelquefois, en raison, pour le coup, du climat aussi. C'était quelque chose qui était complètement, complètement normal pour les gens de la CRH. Et pour moi, c'était terrible, en fait. J'étais dans un état de désespoir absolu, hein, quasi infantile, qui me faisait honte parce que j'avais le sentiment que je pouvais me mettre à crier « Maman, maman » à peu près à chaque coin de rue. Hein. Donc, du coup, je suis entrée dans le livre. Je suis entrée dans le livre comme cette étrangère, en fait, hein, qui pouvait montrer à quel point la situation que les gens connaissaient à la CRH au quotidien était une situation qui était parfaitement inconfortable, parfaitement terrifiante, complètement hostile, en fait, à toutes les personnes qui n'étaient pas de là. ¿Has terminado? No, ¿eh? Quería agregar solo dos pequeñas cosas. Primero, que cuando entré en el libro con mi primera persona para poner en evidencia este contraste entre lo normal que era para toda esa gente vivir en este lugar tan hostil y lo extraño y hostil que resultaba para mí estar en ese sitio, cuando entré en el libro, decía en primera persona, tenía muy claro que el libro no era sobre mí. Una cosa es escribir en primera persona y otra cosa es escribir sobre la primera persona. Siempre tuve claro que esta era la historia de los otros y sobre los otros, sobre todo sobre los que estaban vivos, sobre las novias, los novios, los hermanos, los amigos, las madres, los padres de todos los muertos. Y una historia sobre el pueblo. Y en cuanto a la subjetividad, yo creo que la subjetividad periodística es un cuento chino, no sé si existirá esa expresión en francés, un cuento bien contado, no existe. Detrás de cada texto, sobre todo estos textos como los que escribieron mis colegas aquí, también hay un sujeto con una voz fuerte, con una mirada. Pero esa subjetividad tiene que ser una subjetividad honesta, pero nunca va a ser objetivo. Si uno reportea bien, esa subjetividad se transforma en una subjetividad honesta, incluso cuando uno tiene que escribir cosas que descubre y que no le gustan y que van contra sus principios y maneras de pensar. Pero creo que la subjetividad periodística es un invento de las escuelas de periodismo, probablemente, para hacerse la vida más fácil. Oui, quand je suis entrée dans ce livre hein, à la première personne, c'était vraiment, donc, comme je le disais, pour souligner le contraste qui existait entre cette normalité pour les gens originaires de cette petite ville et pour l'étrangeté et l'hostilité qu'un étranger pouvait ressentir face à cette situation. Il était aussi très très clair pour moi hein, que je n'allais pas faire un livre sur moi.
mais un livre sur les gens qui étaient de là. C'est-à-dire pour moi, il y a une grande différence entre écrire à la première personne et écrire sur la première personne, d'une certaine manière. Hein. Ce que j'allais raconter, c'était l'histoire d'autres personnes, c'était l'histoire de ceux qui étaient encore vivants, c'est-à-dire les fiancés, les pères, les mères, les familles, les collègues, hein, et effectivement, de manière plus globale, la population de cette petite ville. Et ensuite, quant à la subjectivité, enfin l'objectivité du journalisme, hein, je ne sais pas si l'expression existe, mais on parle de conte chinois en espagnol. Je crois que tout simplement, hein, c'est quelque chose qui n'existe pas. Je crois que à chaque fois en fait que quelqu'un écrit, il y a une voix, il y a un regard en fait, hein, et du coup l'objectivité disparaît. Mais ce qui est très important, c'est que la subjectivité soit honnête. Hein, que cette subjectivité honnête permette d'écrire des choses qui peuvent y compris être contre vos propres opinions, vos propres valeurs, hein. Et je crois que tout simplement l'objectivité journalistique est quelque chose qui a été inventé par les écoles de journalisme pour être un peu plus tranquille. Grégoire, vous êtes d'accord avec cela, ce rapport à, justement à la personne, au regard porté, à cette question de la subjectivité? Comment vous l'envisagez, vous, en tant que journaliste? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Leïla sur le fait que l'objectivité journalistique, elle n'existe pas en soi, elle ne peut pas exister, que je pense qu'il a été un moment sain dans l'histoire du journalisme de la revendiquer, parce que ça permettait d'avoir une forme de croyance, en tout cas d'adhésion à ce qui était produit dans la presse. Mais je crois que peut-être on a été trop loin dans cette revendication d'objectivité, parce qu'il y a évidemment une déontologie journalistique, hein, quand on travaille sur du factuel, donc on essaie de ne pas dénaturer ce factuel, mais évidemment, on écrit depuis soi, en fait. Et donc cette subjectivité-là, elle existe, quoi qu'il arrive. Donc oui, moi je suis entièrement d'accord avec Leïla que l'objectivité, le concept d'objectivité journalistique, il est à repenser et à revoir. Ouais. Leïla parlait tout à l'heure de la manière dont elle avait recueilli des témoignages qui sont vraiment au cœur de son livre. Et peut-être nous dire un mot de cela. Vous avez parlé de votre rencontre avec le président. Il y a évidemment ce personnage-là qui est un personnage romanesque en diable, mais il y a aussi tout un tas d'autres personnages. Je pense à Yana, je pense à Niklas, qui est aussi un personnage romanesque à part entière. Peut-être, Timothée, nous dire comment vous avez travaillé aussi. C'est vraiment des rencontres, des témoignages, des recueils d'informations et ensuite une mise en forme qui a une dimension romanesque, mais presque aussi parce que ces personnages ont en eux-mêmes une dimension de héros romanesque ou d'anti-héros, je ne sais pas, mais en tout cas, cette dimension très très forte. En fait, vous avez raison, c'est ce livre, c'est la réalité qui dépasse la fiction. C'est-à-dire qu'on essaierait d'écrire ça en fiction, ça serait absolument pas crédible du tout. Et donc, c'est ça qui est drôle, c'est que ces personnages-là sont tellement en couleur que parfois on avait même du mal à croire que ce qu'on pouvait apprendre d'eux était la réalité. Donc en effet, c'est un peu une galerie de personnages qu'on a soit croisés, soit qui ont eu un rôle dans le Liberland et donc dont on raconte le rôle et aussi un petit peu leur vie, leur engagement dans la cause libertarienne. Et tous, finalement, chaque nouveau personnage qu'on rencontrait presque à travers ce livre était à nouveau quelqu'un d'assez extraordinaire. Mais tout est tellement rocambolesque, ne serait-ce que le premier voyage diplomatique du Liberland, ça a été de se rendre au Somaliland, par exemple, qui est un autre pays non reconnu par aucun État dans le monde. Et donc, on a une délégation de Liberlandais qui arrive avec un passeport du Liberland et qui passe par la frontière du Somaliland, qui est un État séparatiste de Somalie, et qui se retrouve reçu officiellement en grande pompe avec des drapeaux du Liberland. Bref, c'est tout ce genre d'histoires qui font que finalement, c'est une sorte de réalité parallèle qui existe à côté de ce qui nous semble être, nous, la réalité. Et ce pays qui, à nouveau, paraît quelque chose d'assez cocasse, existe pourtant vraiment, existe vraiment dans la tête de tout un tas de personnes, existe vraiment sur les réseaux sociaux. Le président, par exemple, répète toujours cette phrase,
qui sont en effet en conflit avec la Croatie et qui ne veut bien sûr pas les accepter sur ce qu'ils considèrent comme cette portion qui n'est pas vraiment sur leur territoire, mais bon, qu'ils ne veulent pas non plus céder aux Liberlandais. Et le président dit toujours, le ministre des Affaires étrangères croate a 12 000 followers sur je ne sais pas, Instagram ou quoi. Nous, moi, j'en ai 200 000. Alors, qui compte sur les réseaux sociaux? Qui a une existence? Qui a une vérité? Qui a une réalité sur les réseaux sociaux? Et finalement, on peut en rire, mais est-ce qu'il a fondamentalement tort? Et c'est ça qui est triste, c'est pas vraiment. Et donc voilà, j'ai complètement dévié du début de la question. C'est le but de l'affaire. Mais voilà, oui, donc les personnages, c'est sur les personnages du livre, qui sont en effet toute cette galerie de personnages, de gens qu'on a croisés, qui, selon moi, ont reflète toutes les différentes facettes à la fois des gens qui ont suivi ça et de ce mouvement libertarien. Il y a une autre dimension qu'on n'a pas évoquée. Je parlais de paradoxe tout à l'heure sur cette question de la terre non revendiquée et du projet libertarien. Il y a aussi le fait que finalement ce président se donne tous les atours, finalement tous les oripeaux d'un véritable État. Il y a un drapeau, il y a une monnaie, il y a des timbres, il y a une élection de Miss. Donc il y a vraiment cette dimension là qui peut être d'une certaine manière vue de façon farcesque, mais en même temps il y a cette réalité là qui vous prend sans doute au moment où vous commencez à creuser le sujet. Peut-être Grégoire nous dire un mot de cette dimension là. Oui, alors peut-être revenir sur les prémices du projet. En effet, à la base, il y a une vraie curiosité. Alors, je pense que c'est aussi, en tout cas moi, c'est ce qui m'anime dans le journalisme. C'est à la base, il y a une curiosité pour un sujet. Et là, en effet, quelqu'un qui annonce créer un pays, alors on l'a dit, hein, spécifiquement en plus dans une zone qui est déjà hyper morcelée, c'est très intriguant. Et donc, il y a cette première curiosité qui s'active. Je veux savoir comment, pourquoi, qui est cet homme. Et à partir de là, on déroule un fil. Et ce qui a fait que moi, je suis resté dedans et on a décidé en effet d'en faire un livre in fine, c'est qu'il y avait beaucoup à dire, donc on a parlé des personnages. Et il y a aussi ce rapport très étrange à ce président qui est censé être libertarien, donc qui revendique le fait de vouloir vivre dans un État qui n'a pas d'État et qui en fait gorge son projet de symboles étatiques, on vient de le dire, le drapeau, les timbres à son effigie, etc. Mais ce qui finalement nous accueillit plus tard, c'est de comprendre que derrière ce projet de pays se cache un autre projet, qui est un projet d'entreprise. Et c'est là aussi où c'est très intéressant, c'est que pour Jedlička, le président du pays Liberland, le Liberland est autant un pays qu'une entreprise dont il a déposé les statuts à Hong Kong, dont il est aussi le président, mais le président, le chef d'entreprise. Et finalement, on peut assez vite comprendre que le drapeau, dès lors, devient un logo, que la devise du Liberland, en fait, devient un slogan. Et donc, on comprend à un moment donné que finalement, toutes ces attributs étatiques, finalement, sont récupérés dans une logique presque de marchandisation. Oui. Je rajoute juste un mot, parce que c'est aussi cette logique-là libertarienne qui est assez intéressante. C'est qu'en effet, dans la philosophie libertarienne, les États deviendraient finalement des espèces de marques ou des espèces de produits en compétition, c'est-à-dire qu'on viendrait choisir son état, sa citoyenneté, son passeport, selon ce qu'un état offrirait comme avantage ou comme bénéfice pour la personne. Et donc ce serait une sorte de marché de citoyenneté, comme il existe déjà, il y a déjà des pays qui mettent en vente leur citoyenneté pour des montants différents selon ce que le pays garantit comme droit avec ce passeport. Et donc finalement c'est même pas si absurde que ça, c'est vraiment c'est une tendance qui est en train de se généraliser finalement. Oui, j'allais dire qu'il y avait un chapitre qui s'intitule, je crois, l'État start-up. Il y a vraiment cette idée aussi, ce modèle-là, et peut-être d'ailleurs dans les inspirations finalement aussi de ce personnage de président, qui a lui aussi un parcours personnel assez singulier, né sous le régime soviétique, fasciné comme ça par les États-Unis et par certaines figures américaines. Ça naît aussi à cet endroit-là finalement, ce rapport à l'État start-up, peut-être Grégoire? Vitya Ilitchka, c'est quelqu'un qui, est né à l'époque où la Tchéquie appartenait à la Tchécoslovaquie, sous l'Empire soviétique. Et sa famille a été victime, on va dire, du communisme, pour le dire en rapide.
Et dès que le mur de Berlin s'est effondré, que l'URSS a éclaté, Vitis Ilitch, encore jeune adolescent, est parti aux États-Unis. Il est resté là-bas un mois alors qu'il avait 16-17 ans. Et ça a été pour lui une révélation, quoi. Les États-Unis, c'était le paradis, le pays de la liberté où il était possible d'entreprendre. Et donc, à partir de là, c'est là qu'a germé les racines de son libertarianisme, presque en exacte antithèse du communisme. Je ne sais pas si c'est ça qui, ah oui, absolument, qui était... Et dès lors, il n'a cessé que de vouloir diffuser cette idée-là. Donc, il a monté un petit parti politique en République tchèque, libertarien, avec lequel il a eu très peu de succès. Et donc, quand un de ses amis est venu lui proposer cette idée de créer un pays de toutes pièces, il s'est dit, bon, bah, là, c'est ma chance, en fait. Et d'autant plus que les libertariens sont assez peu nombreux dans chaque pays, mais si on les associe, ils représentent une masse assez importante. Je fais une petite parenthèse, ça a été notamment le cas de certains militants libertariens aux États-Unis, donc aux États-Unis, pareil, il y a de nombreux libertariens, mais qui ne sont pas du tout suffisamment nombreux pour avoir un poids politique important. Et du coup, à un moment, ils ont eu l'idée de se réunir tous dans le même État. Et donc, il y a eu une vague comme ça de déménagement où ils sont tous allés, je crois, dans le New Hampshire, dans l'espoir de représenter la majorité de cet État-là et de remporter les élections là-bas. Ils n'étaient pas loin, ils n'y sont pas arrivés, et je ne sais pas où en est le projet, mais en tout cas, dans cette logique du Liberland, il y avait aussi ça. Je vais peut-être me retourner vers Leïla. On va encore faire quelques questions, puis ensuite, je vous donnerai la parole, bien sûr, pour que vous puissiez intervenir, interroger les invités. Leïla, peut-être revenir sur ce rapport, je parlais des personnages avec Grégoire et Timothée, sur justement les personnes qui deviennent quelque part des personnages dans votre travail. Je pense par exemple bien sûr à Monica, je pense à ce personnage aussi qui est l'employé des pompes funèbres de Las Heras, Carlos Navarro. Est-ce que vous diriez que quelque part ce livre était aussi pour vous une manière de mettre au jour, de rendre visible d'une certaine manière et peut-être même de rendre une forme de dignité à ces oubliés de l'Argentine? Est-ce qu'il y a pour vous une démarche de cet ordre dans votre travail journalistique et littéraire et avec ce livre en particulier? Yo tengo problema con pensar el periodismo como una especie de espacio en el que se hace lo que deberían hacer los estados, por ejemplo, ¿no? Ocuparse de gente que está en situaciones marginales o periféricas. No creo que mi intención haya sido, estoy segura de que no ha sido devolver la dignidad, porque sería arrogante eso. Yo creo que esa gente tiene ya dignidad. El problema es que están, las historias están ocultas, como decías, no están visibles. Entonces creo que de alguna manera poder escribir un libro como hicieron mis colegas o como hice yo, o poder escribir un artículo acerca de un tema periférico o marginal o no demasiado mirado en un periódico, otorga la posibilidad de expandir eso, ¿no? De darle visibilidad a la historia. Yo sí estoy interesada en poner luz en zonas que no miramos. Y esas zonas no necesariamente son marginales en el sentido tradicional de la palabra. Asociamos siempre lo marginal con lo pobre, la violencia, etc. Las altas esferas del poder también son marginales en un punto. Tampoco se puede tener acceso íntimo a esa gente que decide los destinos en definitiva de todos nosotros. Y también estoy interesada en los extremos, diría yo, creo. Pero la tarea de visibilizar no es en mi caso una tarea, no tiene una pretensión evangelizadora. Yo sé que cuando publico algo sobre un tema,
pueden pasar buenas cosas, pueden pasar malas cosas o puede no pasar nada. Entonces, lo hago con el simple objetivo de yo cuento esta historia y la suelto. Lo que pase luego con eso no forma parte, no está en mi control. Oui, j'ai un problème avec le journalisme hein, comme vu comme un espace en fait où on ferait ce que les États ne font pas, voilà, notamment par rapport aux personnes marginales. Hein. Je suis absolument sûre que mon intention n'était pas de rendre leur dignité aux personnes dont j'ai parlé dans le livre, hein, ce qui serait une posture plutôt arrogante. Je n'ai pas cette possibilité-là, et de toute façon, ces gens ont une dignité. Hein. Voilà, il y a des histoires cachées, des histoires qu'on ne voit pas. Effectivement, la possibilité d'écrire un livre ou d'écrire un article sur ces choses marginales, hein, ça ne donne pas, en fait, la possibilité d'évangéliser. Et à moi, ce que je cherche, c'est très clairement de faire la lumière sur un certain nombre de choses que l'on ne voit pas, que l'on considère marginales. Et en même temps, je n'entends pas marginales comme on l'entend généralement, c'est-à-dire des populations particulièrement pauvres ou particulièrement exclues. Je pense qu'il y a tout autant de marginalité au sens de quelque chose qu'on ne connaît pas, qui n'est pas voilà, sous le feu des projecteurs, du côté des puissants de ce monde, des gens riches ou des gens qui nous gouvernent. Hein. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner un accès en fait à ces extrêmes. Mon rôle, c'est effectivement de visibiliser, pas d'évangéliser. Et je sais que lorsque je donne à voir des choses, il peut y avoir des choses qui vont se produire qui vont être des bonnes choses, il peut y avoir des choses qui vont se produire qui seront des mauvaises choses, et il peut tout à fait ne rien se produire. Mon travail à moi, c'est de raconter une histoire et de la lâcher, en fait. Hein, et ce qui va se passer ensuite, ça ne m'appartient pas. Peut-être encore une chose justement sur l'écriture et qui va dans le sens de ce que dit Leïla, c'est qu'il me semble que précisément son livre va vers les vies minuscules, vers une écriture qu'on pourrait dire à hauteur d'homme et qui évite peut-être des mots, un vocabulaire qui serait un vocabulaire un peu rigide, d'expression toute faite. Je pense par exemple que le mot suicide est très peu utilisé dans le livre de Leïla. On a le sentiment qu'elle se met à un endroit qui éviterait finalement le langage habituel sur ces réalités-là. Est-ce qu'elle envisagerait les choses ainsi? Sí, bueno, queda mal que lo diga yo, porque es como hablar bien de mí misma, pero gracias por haber leído así lo que intenté hacer. Y sí, en efecto, intenté evitar particularmente palabras como suicidio, suicida, sangre. A lo largo del libro aparecen dos o tres veces nada más. Y no solo porque la historia ya era lo suficientemente trágica como para que además yo estuviera declamando esa tragedia, sino porque hago un trabajo tan consciente como puedo en contra del lugar común. Estoy en pie de guerra contra el lugar común. Detesto esas frases hechas que son como matrimonios habituados a estar juntos de dos personas que ya no se desean en absoluto. Frases como terrible tragedia, terremoto devastador. A eso me refiero con lugares comunes. Entonces trato de expulsar
de lo que escribo, toda tentación de caer en esos lugares comunes. Por otra parte, en este libro, vos preguntabas al principio cuán importante había sido, y yo no mencioné algo que es para mí también muy importante, y es que creo que este primer libro hizo que encontrara una voz mucho más parecida a lo que yo quería ser como alguien, una voz más parecida a mí misma, una voz seca, ascética, casi desprovista de adjetivación, y muy intentando con esa voz, más que designar, mostrar lo que sucede. No decir esto es trágico o esto es bizarro, sino mostrarlo a través de las acciones de las personas, a través, por ejemplo, de ese peluquero que hay en el libro que se llama Jorge Salvatierra y que tiene una peluquería en la cual se vanagloria de peinar a las señoras más ricas del pueblo y vive en las eras como si viviera en Miami a través de la madama del burdel que me cuenta una historia absolutamente inverosímil de viajes suyos en camello por el desierto del Sahara, de un programa de televisión que tenía en Buenos Aires. Digo, dejar hablar a la gente, dejar que ellos hablen, creo yo, es la forma de demostrar lo trágico que es vivir en un lugar así, lo bizarro que puede ser, lo triste que puede ser. Entonces, el lugar común está peleado con esta idea de, no encaja en esta idea de dejar que la realidad se manifieste y desaparecer, borrarse un poco detrás, aunque yo esté en primera persona, borrarme detrás de esa realidad brutal que se manifiesta por sí sola. Oui, alors attendez, parce que je suis plus au bon endroit, voilà. Ce que vous venez de dire à propos de mon livre, hein, je peux pas le dire parce que ça serait comme se vanter, parler bien de moi, mais en tout cas merci de l'avoir lu comme ça, ce livre. Hein. Je crois que ce qui était important pour moi, hein, c'était de trouver des histoires, et c'est pas à moi de juger en fait hein, si ces histoires sont suffisamment tragiques ou pas. Et je suis vraiment, j'ai effectivement pas utilisé le mot suicide plus de 2-3 fois dans le livre. J'ai essayé d'éviter. Parce que je suis vraiment en guerre contre ça, tout ce qui est de l'ordre du lieu commun, hein, parler de ce mariage qui dure alors que les gens n'ont plus rien à faire ensemble, utiliser des expressions comme c'est une terrible tragédie ou c'est un tremblement de terre dévastateur, etc. J'essaye vraiment de sortir de ces phrases toutes faites hein, parce que c'est tous ces qualificatifs, en fait, hein, ça ne me plaît pas du tout. Vous me demandiez tout à l'heure l'importance que ce premier livre avait eue pour moi. Et il y a une chose que je n'ai pas dite, en fait. C'est avec ce livre que j'ai rencontré ma voix en tant qu'écrivain. C'est-à-dire que j'ai rencontré la voix qui correspondait à ce que j'avais envie d'être, une voix sèche, une voix ascétique, une voix qui ne fait pratiquement pas recours hein, aux adjectifs hein, et voilà, essayer d'être vraiment cette voix-là. Et je crois que il suffit. Ça ne sert à rien de qualifier en fait les situations de tragiques. Il faut le montrer en fait, montrer les situations
ça va donner les qualificatifs qu'il est absolument inutile d'utiliser dans l'écriture. Hein. Je pense en fait à ce coiffeur qui s'appelle Jorge Salvatierra et qui tirait sa fierté et sa gloire de coiffer les personnes les plus riches hein, de cette petite ville et qui me racontait les histoires de la tenancière du bordel local. Qui lui avait raconté des histoires de voyages en chameau à travers le désert, etc. Et en fait, il s'agit de ça, je crois, quand on fait une écriture journalistique, c'est laisser parler les gens et c'est eux qui vont, à travers ce qu'ils disent, montrer à quel point la situation est tragique, bizarre ou triste. Hein. Et il faut... J'ai écrit, certes, à la première personne, mais je me suis vraiment battue, en fait, pour que cette première personne, elle disparaisse, en fait, derrière ce que les gens disaient eux-mêmes, derrière la réalité qui était la leur et que leur récit permettait de qualifier sans que j'aie, moi, en fait, l'outrecuidance de le faire. Je précise que l'exergue du livre de Leïla est une citation de César Pavese qui dit de l'humilité, pas d'orgueil. Donc on est effectivement au cœur de ces sujets-là. Peut-être deux petites questions. Enfin, Timothée, vous vouliez réagir peut-être ? Je trouvais ça intéressant parce qu'en effet, Leïla, dans son personnage, je pense, a de la sympathie et de l'empathie pour ses personnages. Et nous, à l'inverse, on en a peut-être moins de sympathie et d'empathie pour les nôtres. Et donc, c'était aussi quelque chose d'assez difficile, justement, de devoir quand même essayer de relater ou de refléter du mieux possible les pensées et les trajectoires de nos personnages, tout en étant parfois fondamentalement en désaccord avec tout ce qu'ils nous racontaient. Et donc, voilà, c'était parfois assez difficile et c'était un jeu d'équilibriste très dur entre une nécessaire absence de jugement puisqu'on n'était pas là nous en tant que journalistes pour juger les personnages et leur trajectoire et je pense que leurs propres mots sont suffisamment des jugements contre eux finalement pour le lecteur mais voilà ça nous a posé parfois question en effet sur notre position nous en tant que narrateur comment on se positionne face à des gens qui nous raconte des choses avec lesquelles on est fondamentalement et foncièrement en désaccord et avec des conceptions de la vie qui nous sont très étrangères également. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose qui était pas facile en tous les cas dans la rédaction de ce livre-là. Et je pense pas que Leïla ait ce même problème en tous les cas. Voilà. En effet. Peut-être une dernière question avant de me tourner vers le public. J'ai pas évoqué la durée de l'enquête, mais c'est plusieurs années, effectivement. Peut-être vous pouvez nous dire un mot aussi de ce temps long. Et finalement, pour Leïla, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est une enquête au long cours qui donne certainement à la fois de la profondeur, idée peut-être de la complexité, et qui donne en même temps un recul sur l'évolution de ce projet et de la manière dont ça s'est déroulé. Est-ce que c'était important pour vous d'inscrire cette enquête sur un temps long, de voir l'évolution des choses? Comment vous avez imaginé ce rapport au temps? Je pense qu'au début, on voulait justement dépasser l'anecdotique. Comme on a dit tout à l'heure, on est interpellé d'abord par cette création ad hoc d'un nouveau pays. Mais nous, ça ne nous suffit pas. Il en faut plus. Il y a de nombreux projets sur lesquels on a été attirés puis qu'on a mis de côté parce qu'on n'y trouvait pas suffisamment de matière. Et donc celui-là, il a fallu le temps de le faire mûrir, justement de collecter de la matière, de rencontrer tous ces personnages pour avoir la conviction intime qu'il y avait quelque chose à raconter, en plus qui nous intéressait particulier, de faire découvrir cette philosophie libertarienne qui existe, qui est là dans nos sociétés sans qu'on la nomme vraiment. Et puis après, il y a eu la rencontre avec les éditions Marchiali, avec lesquelles on a travaillé, qui nous ont superbement aidés à trouver le format, le bon format. On a testé plusieurs dispositifs et aussi à se poser la question de à quel moment on met le point final. Parce que c'est un projet qui est encore en cours, le Liberland. Et donc ça a été l'objet de discussions avec nos éditeurs et avec Timothée. Et puis bon, voilà, c'est comme toute histoire, à un moment, pour la raconter, il faut bien décider qu'elle est terminée. Ben, je vous remercie tous les trois. Peut-être dans le public, vous avez envie de prendre la parole sur ces sujets intrigants, que ce soit le Liberland ou cette ville de Patagonie ou plus globalement sur l'écriture journalistique. Oui, je pense qu'on va vous faire passer un micro, s'il vous plaît.
Merci. Oui, en fait, moi, j'étais très... Ça m'interrogeait beaucoup, en fait, ce mot de personnage. Et en fait, vous naviguiez entre ce mot personne et personnage en utilisant plutôt le mot personnage hein, pour vous deux. Alors, je crois que dans le domaine de l'audiovisuel, on utilise plus ça en journalisme, hein, audiovisuel, la notion de personnage que de personne. Pourtant, quand on est dans le documentaire, on est... Il s'agit de la personne, enfin, il me semble, et ça, c'est mon point de vue à moi. Et donc, j'étais curieuse d'avoir votre retour par rapport à ça, et aussi curieuse de savoir comment l'auteur de Leila Guerriero aussi parlait, en fait, des personnes qu'elle a rencontrées. Est-ce qu'elle utiliserait aussi le terme de personnage ou pas? Voilà. On va commencer par Leila. Okay. Sí, me parece una distinción muy interesante. Yo doy bastantes workshops, talleres de periodismo, y cuando los participantes de esos talleres utilizan la palabra personaje para referirse a las personas que habitan sus historias, yo siempre digo que sacaría mi pistola del cinto. Porque son personas, no son personajes. Para mí la distinción es no solo simbólica en el sentido en el que uno va a hablar con una persona con una predisposición subjetiva muy distinta a la que llevaría si va a hablar con un personaje, sino también muy eficaz a la hora de hacer lo que hacemos nosotros, que es periodismo. Aunque sea periodismo narrativo, como decíamos al principio, es periodismo. Entonces, la línea entre la ficción y la invención, la ficción y la no ficción, tiene que ser clarísima. El periodismo narrativo es un periodismo que necesita muchísimas herramientas de manejo del lenguaje, muchísimo equipamiento para ser escrito, pero no acepta en absoluto la invención. No puedo ingresar en una historia a un personaje solamente porque lo necesitaría y a la historia le haría muy bien. Si el personaje no existe en la realidad, si la persona no está en la realidad, no lo puedo meter como personaje en una historia. Entonces yo a las personas las veo como tales, no los llamo personajes, me produce casi un rechazo físico, diría, hablar de personajes, porque son personas vivas y escribir trabajando con esa materia prima, que es materia prima humana, es algo sumamente complejo y hay que tener mucho respeto por eso. Entonces, yo prefiero hablar de personas y no de personajes. Oui, c'est une question qui est très très intéressante. Hein. Je donne beaucoup d'ateliers sur l'écriture journalistique, hein, et quand les participants en fait commencent à parler, à utiliser le mot personnage pour les personnes qui peuplent leurs histoires, hein, je m'élève toujours contre ça en disant que vraiment, ce ne sont pas des personnages, ce sont des personnes, en fait. Hein. D'abord, il y a un rapport symbolique, en fait, sur la manière dont on nomme les personnes auxquelles on s'adresse dans nos enquêtes, voilà, et par rapport à ce que nous sommes et à notre subjectivité quand on s'adresse à eux, et sur ce que ça peut signifier aussi en termes d'efficacité de notre travail de journalisme, parce que même si nous faisons du journalisme narratif, nous sommes quand même des journalistes et nous faisons du journalisme. La différence entre la fiction et la non-fiction doit être extrêmement, extrêmement, extrêmement claire, hein. Et le journalisme narratif a besoin de beaucoup, beaucoup d'outils. Il utilise beaucoup d'outils, mais il ne peut absolument pas accepter l'invention de personnages parce que ça conviendrait bien à l'histoire, etc.
etc. Ça, c'est absolument pas possible, en fait. Hein. Et les gens qui sont dans mes histoires, hein, ce sont vraiment des personnes, je les vois comme telles. Et quand j'entends des gens parler de personnages, ça me donne, en fait, presque un effet de répulsion physique. Hein. On s'adresse à des personnes vivantes, on parle de personnes vivantes. Ces personnes humaines, ces personnes vivantes sont notre matière première, hein, et donc il faut vraiment les respecter, bien sûr. Hein. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est une question très, très intéressante, déjà parce que je suis passionné de sémantique et ensuite parce qu'elle est au cœur des enjeux de la littérature du réel. Je serais un peu moins tranché que Leïla. Moi, je pense qu'en effet, on a rencontré des personnes, ça c'est inéluctable, mais je pense qu'après, nous, on les a en effet traités comme des personnages. Et c'est justement là où on traverse un peu la frontière de se créer un livre d'essai journalistique à plus de la littérature du réel, c'est-à-dire que on rentre dans une autre dynamique et donc ces personnes-là, on les traite comme des personnages, mais aussi parce que justement on a un regard subjectif sur eux, donc la partie qu'on donne à voir d'eux n'est pas l'entièreté de leur personne. Je ne sais pas si ça répond à la question. Timothée, peut-être pour compléter. Ah, vous vouliez, pardon. Non, moi, c'est vrai que je pense que c'est moi qui ai beaucoup parlé de personnages. Je pense qu'il y a aussi cette déformation étant romancier. Bah, à la base, je pense que c'est peut-être aussi une erreur sémantique de ma part d'avoir abordé ça que sous le prisme des personnages, en effet. Mais en fait, c'est tout l'intérêt du sujet, enfin, et puis mon questionnement personnel aussi, c'est là où est la limite, effectivement, pour chacun, entre le réel et ce qui va devenir, qui va être transformé dans la narration après. Et jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans la transformation ? Et jusqu'où on n'empiète pas sur... Du coup, ça devient plus, effectivement, c'est devient plus du journalisme à ce moment-là. Enfin, je ne sais pas, c'est une question. Après, tout ce qui est dans le livre est factuel, documenté. Moi, quand je disais que, enfin, la part de subjectivité et ce qui en fait en quelque sorte des personnages, c'est la manière dont on les travaille, dont on les peint, et on les rend un peu personnages de fiction. Mais ça reste quand même de la réalité. Mais on leur donne ce grain de personnage parce qu'on ne va pas tout relater de leur vie. Et on va peut-être s'intéresser aussi à certaines caractéristiques d'eux que dans un essai journalistique, on ne mentionnerait pas. Voilà, moi, c'est vrai que, ayant une expérience plutôt journalistique, j'ai plutôt une tendance à écrire à l'os, à me concentrer vraiment sur les faits, l'essentiel. Et l'apport de Timothée, je pense aussi sur cet ouvrage, c'est justement d'avoir su faire des détours, s'attarder sur des détails qui pourraient paraître insignifiants pour l'enquête, mais qui en fait donnent du relief et donnent l'idée d'avoir de se plonger dans une atmosphère plus que d'être véritablement dans une enquête journalistique. Bien, bah écoutez, on va s'arrêter là. J'imagine que le public, les lecteurs pourront retrouver Timothée et Grégoire à la librairie pour un petit temps de dédicace et puis peut-être pour des échanges un peu plus informels. Ma chère Leïla, on ne vous retrouvera pas à la librairie, mais on va vous remercier infiniment de votre présence. Merci de nous avoir fait l'amitié d'être avec nous à distance. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Un placer estar aquí, compartir este rato. Gracias por la conversación y las preguntas interesantes. Y gracias a Pascal porque ha hecho unos malabares en el trapecio con el teléfono y los micrófonos. Y si quieren venir a casa a que les firme libros, encantada. Serán recibidos con té y café. Un abrazo. Merci beaucoup. Pascal va s'auto-remercier du coup. Ouais. Donc merci beaucoup de ce moment de partage et des questions intéressantes. Voilà. Et si vous voulez venir chez moi faire signer vos livres avec le thé et le café, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup Leïla, bonne continuation à vous. Merci à Pascal. Merci pour l'interprétation parfaite. Et merci à tous les deux, messieurs. Merci. Bonne soirée, merci à vous. Adios.